beaucoup de gens se posent la question à savoir quel est l'âge idéal pour venir en Allemagne. Surtout quand on est souvent en fin de ses études secondaires, quand on a un baccalauréat, on se pose souvent la question, est-ce qu'il est mieux de continuer jusqu'à la licence ou bien est-ce que ce serait préférable pour nous de commencer sa procédure avec un niveau baccalauréat? Dans cette vidéo, je réponds à cette question car moi-même, j'y ai subi, j'ai été face à ce dilemme-là. Moi, c'est Miguel Guéwa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai rencontrées, aux difficultés que les gens rencontrent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation. Alors, si tu es intéressé par l'immigration en Allemagne, par les soins infirmiers en Allemagne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18h. De plus, je partage avec vous mes expériences par rapport à cette formation et aussi sur le territoire allemand en général. Comme je disais tantôt, comment faire pour connaître l'âge idéal pour venir en Allemagne? Quand on a souvent le baccalauréat et on est face à ce dilemme-là de venir en Allemagne directement ou bien fréquenter d'abord jusqu'à la lycée et venir faire un cycle master. C'est à ces deux catégories de personnes que je m'adresse principalement. Moi, personnellement, je suis venu en Allemagne avec un niveau bac. Bon, ça c'est pour ceux qui viennent étudier quoi. Moi aussi j'ai eu personnellement avec un niveau bac et j'ai été aussi face à ce dilemme-là. Mais j'ai eu à discuter avec mes parents, mais nous sommes tombés d'accord du point de vue que mieux vaut le plus tôt que tu viens à l'Allemagne, c'est le mieux pour toi quoi. Et tu as plus d'avantages parce que tu as les avantages sur le point de vue de l'intégration, tu as les avantages sur le point de vue même de la langue parce que. Dis-toi que si tu viens à l'Allemagne, tu fais 5 ans, tu as un master. Tu n'es pas comme celui qui est peut-être venu là, fait 2 ans, il a eu un master. Si le marché ou le valet pas la même chose. Toi, tu as compris beaucoup de codes que lui n'a pas compris. Même au niveau linguistique, tu es plus calé que lui. Donc voilà pourquoi nous nous sommes décidés que je dois venir avec le niveau, que je dois immigrer à l'Allemagne avec mon niveau bac. Et c'est ce que moi, je recommande beaucoup d'autres personnes de faire. Parce que. Continuer d'abord jusqu'à la licence, plus l'âge pèse d'abord, nous devons être d'accord, plus l'âge pèse, plus il est difficile pour vous à l'ambassade d'avoir le visa, il faut donc savoir ça, plus l'âge pèse, plus ça réduit vos chances d'avoir le visa, plus vous perdez le temps, plus ça réduit vos chances d'avoir le visa. Aux étudiants principalement, qu'il y a certains qui ont commencé, histoire pour eux d'avoir la licence, mais après ils se sont rendu compte que la licence est tellement difficile. Et c'est comme ça qu'ils commencent à paniquer. Et plus même parfois dans des écoles professionnelles où on a payé très cher, ils commencent à paniquer. Ou bien peut-être ils commencent à paniquer, ils arrêtent. C'est comme ça que leur voyage commence à dardiner, dégringoler par-ci par-là. Je vous invite vraiment, si ça ne dépend pas que de moi pour des étudiants, je vous invite vraiment à veiller avec le baccalauréat. Pour la formation en soins infirmiers, le plus tôt aussi sera le mieux. Vraiment, moi, le plus tôt que vous soyez jeune ou pas, ce sera le mieux. Et ne vous laissez pas influencer, mais je connais toujours, ça ne manque jamais. Il y a tous certains gars qui vont vous dire, tu es trop jeune pour faire ci, tu n'es pas encore battu pour aller à l'Allemagne. Vraiment, la vie, comme je dis toujours, ça n'a pas d'âge. On a connu, du côté du point de vue financier, des milliardaires, il y a des milliardaires à 8 ans, comme il y a d'autres qui le deviennent à 60 ans. Donc ne vous laissez pas influencer par ce genre de personnes. Soyez fort comme ce que vous voulez et allez chercher ce dont vous avez le droit. Quand ne vous dites pas que vous êtes battu, ceux qui sont nés ici ont fait comment? Arrivez, vivez vos propres expériences. Au plus, ça vous permet de plus vite vous développer. Je vous dis ça parce que moi, je suis passé par là. Au plus, ça vous permet de plus vite vous développer. Donc, en conclusion, l'âge idéal pour venir à l'Allemagne sur tous les points, c'est de venir le plus tôt possible quand on a la possibilité d'y arriver. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un plus. Partagez-le au maximum si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de laisser un like. On se voit dans la prochaine vidéo.